Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nilgune reçoit un message, elle est heureuse de lire ce message. Au moment Saint-Guise arrive avec ses affaires au salon, Nilgune dit que ce qu'il fait est stupide et que cela ne vaut pas la peine d'inquiéter Selim. Elle lui dit s'il croit qu'Arzu va quitter sa famille pour être avec lui c'est qu'il est stupide. Saint-Guise la traite de malade, elle lui dit que le malade c'est lui car qu'il aurait pu facilement annuler le mariage de Selim mais il a préféré se mettre du côté d'Arzu au détriment de son fils. Au même moment Selim entre et salue ses parents, Nilgune dit mon fils tu es arrivé tôt et que son père s'était endormi au salon et qu'elle est juste venue le réveiller. Selim dit que demain il ira saluer sa tante pour lui parler des fiançailles et qu'il est fatigué, il leur souhaite bonne nuit et s'en va. Oran dépose ses nettes à la maison, il lui demande si tout va bien, qu'il l'a trouvé perturbé tout au long du trajet et que si c'est à cause de ce qui s'est passé entre eux il assure qu'il ne savait vraiment pas qu'elle travaillait là-bas. Elle dit ce n'est rien et qu'elle est juste fatiguée, elle le remercie et descend de la voiture. Senet rentre dans la maison, sent l'odeur du gaz et se précipite pour éteindre le gaz, elle s'inquiète immédiatement pour sa grande-mère, elle la réveille heureusement Mukades ouvre les yeux. Senet soulagée ouvre les fenêtres et la fait s'asseoir près de la fenêtre, mais Mukades ferme encore les yeux, Senet paniquée appelle Suna pour venir l'aider, Suna arrive en courant avec Omé pour aider Mukades. Senet est paniquée, Suna donne de la crème à Mukades pour la soulager mais Mukades a toujours des difficultés à respirer, Suna propose qu'il la conduise à l'hôpital, mais Mukades dit que ça va et que ça ne sera pas nécessaire. Suna dit qu'elle ne comprend pas ce qui a pu se passer et que quand elle a fini la vaisselle, le gaz était fermé et qu'ensuite elle est partie, Senet lui dit que quand elle est arrivée à la maison tous les tuyaux de gaz étaient ouverts et qu'elle a trouvé sa grande-mère évanouie. Kaya arrive chez lui et dit que si Mukades l'avait écouté tout ceci ne se serait pas produit, et elle serait en bonne santé et heureuse. Senet dans sa chambre essaie de reconstituer les morceaux de photos de sa mère, mais n'y arrive pas, énervée elle se demande qui peut être sa mère. Arzu arrive au salon et voit Nilgune, elle est étonnée et dit à Nilgune qu'elle espère qu'elle ne soit pas venue pour créer des problèmes encore, Melissa rentre. Nilgune dit non qu'elle est d'accord pour les fiançailles et qu'elle est venue pour qu'ils organisent les fiançailles. Elle ajoute qu'il ne faut pas que ça soit en petit comité mais qu'elle veut une grande fête de fiançailles et souhaite que ça se fasse ce soir. Arzu est étonnée par la réaction de Nilgune. Melissa demande à Nilgune si elle se porte bien. Nilgune lui répond parfaitement. Sema dit d'accord et que bientôt ils seront une grande famille. Nilgune dit que Selim est pressé que les fiançailles se tiennent c'est pourquoi elle a choisi cette date. Melissa et Arzu dit qu'ils ne pourront pas tout préparer pour ce soir mais Nilgune dit qu'elle s'occupera de tout. Oran qui assiste à la discussion dit qu'il connaît l'endroit parfait pour les fiançailles et que cet endroit sera disponible pour ce soir. Sema donne son accord et Nilgune est contente. Kaya est venue petit déjeuner chez Senet, il dit qu'il est venu parce qu'il veut passer du temps avec sa famille. Suna explique l'accident ce qui s'est passé avec le gaz. Senet dit qu'elle a eu tellement peur quand elle a vu sa grande-mère dans cet état. Suna en parlant dit que Kaya est venue hier soir pour voir Mukades et Senet, ce qui interpelle Mukades qui commence à le suspecter. Suna se demande comment cela a pu arriver. Kaya insiste sur le fait qu'il est reparti après avoir parlé avec Suna et que peut-être Mukades est somnambule. Mukades répond que jamais quelque chose comme ça ne s'est produit dans toute sa vie. Kaya dit que c'est impossible que quelqu'un veuille faire du mal à une femme aussi gentille que Mukades. Suna dit Dieu merci que Mukades est une femme forte. Mukades observe toujours Kaya soupçonneuse. Selim reproche à sa mère d'avoir avancé les fiançailles et que ça ne se fera plus à la maison. Nilgune lui dit de se calmer et qu'elle a tout prévu. Il lui dit qu'elle sait que ce jour n'est pas un moment joyeux pour lui. Elle dit mon fils calme-toi et qu'il comprendra tout ce soir. Selim confus quitte la pièce. Oslem entre et a une nausée. Nilgune lui demande ce qu'elle a. Elle dit peut-être qu'elle a attrapé froid. Nilgune lui annonce qu'il aura les fiançailles ce soir. Après le petit déjeuner Senet dit qu'elle doit partir et que son patron lui a dit de venir tôt parce qu'il y a des fiançailles aujourd'hui. Elle leur fait un bisou et sort. Kaya aussi se lève et dit qu'il doit partir à sa boutique. Avant de partir il dit à Mukades de prendre soin d'elle. Mukades semble mécontente. Il sort aussi. À son départ Suna dit que Kaya est un homme bien. Mukades la regarde sans dire un mot. À la sortie Kaya fait comprendre à Senet qu'il n'apprécie pas qu'elle travaille ailleurs et lui demande de venir travailler avec lui mais Senet dit pas question et que ce n'est pas pareil. Elle ne veut pas qu'il soit en colère contre elle mais elle veut qu'il respecte ses décisions. Il veut la déposer au travail mais elle refuse et dit qu'elle préfère aller seule. Elle ouvre son parapluie et s'en va.
Kaya appelle Kavidan. Elle doute un moment mais décroche et ne dit rien. Il lui dit qu'il appelle pour savoir si elle a pris une décision concernant sa proposition, mais Arzu ne parle toujours pas. Il lui dit que si elle ne dit rien c'est qu'elle n'a pas encore décidé, mais qu'elle n'oublie pas que le temps passe et que ce soit la vie de sa famille ou passer une nuit avec lui. Il lui dit au revoir et raccroche. Melissa se prépare pour ses fiançailles. Oran entre et lui dit qu'elle est belle et elle dit qu'elle est très heureuse et ne veut pas de problème ce soir. Mais Oran lui annonce que Senet sera présente aux fiançailles comme serveuse, une nouvelle qui étonne et ravit Melissa. Senet au travail aide à la décoration de la salle de fiançailles. Elle demande à sa collègue pour savoir qui se fiance mais sa collègue lui dit qu'elle aussi ne sait rien. Arzu dans sa chambre est pensive. Maïr entre et lui demande pourquoi elle n'est pas encore prête. Il la voit pleurer et la console lui disant qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète et que Melissa a grandi maintenant et il ajoute qu'ils sont une famille et qu'il est là pour elle. Arzu est ému d'entendre ces mots. Melissa entre demande à sa mère pourquoi elle n'est pas encore prête. Arzu lui dit qu'elle est très belle et l'assure de ne pas la laisser aller seule aux fiançailles. C'est l'émotion et toute la famille se prend dans les bras. Maïr et Melissa sortent. Arzu promet de se préparer rapidement et de les rejoindre. Arzu seul, se prépare pour sortir. Senet est en plein service à la soirée quand elle tombe sur Selim. Tous les deux sont étonnés de se voir ici. Senet choquée laisse tomber son plateau, Melissa qui les observait arrive et sur un ton moqueur dit à Senet qu'elle n'aurait jamais pensé que Senet serait serveuse à ses fiançailles. Selim voulant intervenir, Melissa l'arrête et lui dit que des parents veulent leur parler. Elle prend Selim par le bras et ils s'en vont. Senet est toujours sous le choc. Senet furieuse reproche à Oran d'avoir fait organiser la fête là où elle travaille. Oran lui dit qu'il n'a rien fait et qu'il ne savait pas que la fête aurait lieu là, mais Senet insiste et dit qu'il était le seul qui savait qu'elle travaillait là. Il clame toujours son innocence et dit que c'est peut-être Selim qui a fait ça mais que lui ne l'a dit à personne. Senet dit qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela. Il lui propose qu'il parte et qu'il ne veut pas qu'elle soit humiliée mais Senet refuse et dit qu'elle ne les laisserait pas lui faire plus de mal, encore moins perdre son travail. Oran la regarde étonnée. Kaya parle avec Kali et lui dit qu'il croyait que Mukaddes avait déjà un pied dans la tombe mais que cette vieille est plus résistante et que ce n'était pas son temps. Kali propose qu'elle calme Mukaddes de dire à Senet que Kavidan est sa mère, mais Kaya s'énerve et lui dit que Senet est son ticket avec Kavidan. Il lui ordonne de partir et de ne pas fermer la porte, Kali s'en va, Kaya seule dit que Kavidan viendra car elle n'a pas le choix. À la cérémonie, sa collègue confie à Senet les bagues de fiançailles mais Sema arrive et se rend compte que Senet travaille là, confie à une autre la responsabilité des bagues. Singhis donne les bagues de fiançailles à Sema. Il aperçoit Senet et va reprocher à Nilgun d'avoir organisé les fiançailles en sachant que Senet y travaille, mais Nilgun lui dit que c'est mieux ainsi comme ça tout le monde sera là pour voir ce qui va se passer et qu'il ne reste plus qu'Arzu. Kaya chez lui en attendant Arzu met la musique et allume les bougies. Arzu rentre totalement ailleurs, Kaya la voit et la prend dans ses bras. À la soirée Maïr et Melissa s'inquiètent de l'absence d'Arzu. Maïr l'appelle mais elle ne décroche pas, Sema les rassure et dit qu'elle est peut-être dans les embouteillages. Melissa est agacée mais Sema lui dit qu'elle doit garder le sourire et qu'elle aille dire à Nilgun que la cérémonie peut commencer. Nilgun va à la chaire et souhaite la bienvenue à tout le monde pour les fiançailles de son fils Selim et de Melissa. Elle appelle Selim et Melissa à s'avancer et fait un beau discours sur la relation entre Selim et Melissa. Melissa très heureuse de la réaction de Nilgun. Nilgun souriante annonce à l'assistance qu'avant les fiançailles elle fera projeter des photos de Selim et Melissa à l'écran et souhaite bon visionnage à tout le monde. Les photos commencent à défiler, il y a des photos d'enfance de Selim et de Melissa. Senet triste les observe aussi, tout le monde regarde et tout d'un coup une vidéo apparaît dans laquelle Melissa parle. Melissa est étonnée, l'assemblée aussi, dans cette vidéo Melissa confesse tout, les détails de comment elle a piégé et obligé Selim pour qu'il l'épouse. En effet c'est la vidéo que l'ami de Selim avait enregistrée dans laquelle Melissa ivre confessait la vérité, c'est la stupeur chez tout le monde. Sa famille, Senet et Selim sont choqués d'entendre cela. La vidéo continue, Melissa désemparée va sur la chaire supplie et dit qu'elle ne se souvient pas de cela et que ce qu'elle dit dans la vidéo n'est pas vrai et supplie, pleure et hurle. Arzu est chez Kaya, il commence à enlever ses vêtements. Arzu est totalement terrifié et ne bouge pas. Elle demande à Kaya s'il laissera sa famille tranquille après cela. Kaya la rassure et lui dit ne t'inquiète pas, et qu'il a attendu ce jour toute sa vie et qu'elle l'a beaucoup manqué. Il la caresse mais Arzu est pétrifié et pleure. Elle dit qu'elle espère que ça sera la fin de ce tourment, mais Kaya dit que ce qu'il reste pour elle s'appelle l'amour. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.